On a bien travaillé le 3-5-2 la semaine dernière avec trois défenseurs centraux plus deux pistons sur les côtés. On essayait de bien mettre ça en place à l'entraînement. C'est ce qui a été plus ou moins bien le cas. J'aurais préféré qu'on n'encaisse pas et que pour le coup, ça aurait été une nette plus-value de jouer à trois derrière, dans l'axe du moins. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a quand même du mieux par rapport au premier match au Berscott où clairement on n'y a pas été. Pas penalty. Je pense qu'il n'y a pas penalty. Franchement, il n'y a pas penalty. C'est juste un geste du bras, mais bon, avant tout, c'est un duel. Donc, mi-épaule, mi-bras. Il n'a pas s'écroulé dans la surface, mais. Et en tout cas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je pense que si je suis arbitre demain, je ne siffle pas ce genre de duel. Ouais, Westerlo, c'est une équipe que je connais très bien. C'était souvent une équipe avec laquelle on se battait. On se battait pour le maintien quand j'étais à Mouscron. C'est une équipe difficile à jouer. Enfin voilà. Allez, étant donné l'ambiance des matchs Mouscron-Westerlo, c'était toujours malheur au perdant entre guillemets parce que c'était l'équipe avec laquelle on jouait le maintien. Donc ouais, c'était toujours des matchs très très difficiles. Et c'est une équipe. Allez, pour ceux que je connaissais déjà, c'est des joueurs difficiles à bouger et ils savaient se faire respecter chez eux. C'était toujours difficile d'aller prendre quelque chose là-bas. Maintenant, on joue à la maison ce week-end, espérons qu'on comprendra quelque chose. Ouais, c'est toujours un effet particulier. Pour le coup, c'est vraiment un stade que je ne connais pas du tout. Je n'y suis même jamais allé, ni même pour voir un match de l'équipe nationale, ni même pour y jouer, parce qu'avec l'Union, ça va être mon premier match. Donc ouais, c'est toujours particulier. Dommage que ça soit pas ici au Parc du Den, où on sait que ça tient à cœur aux supporters de jouer à la maison. Mais bon, on va essayer de faire le boulot là-bas.